Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de novembre. Donc si vous êtes Vierge en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est faite donc pour vous. On va aller regarder votre mois, donc votre général, votre professionnel et sentimental. On va aller regarder aussi les cartes conseils pour vous. Donc c'est parti. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec discernement. Prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est parti les Vierges. Qu'est-ce que je vois en carte conseil pour vous sur votre guidance générale? Alors, on a la mère médecine. On vous dit respectez vos connaissances intérieures. On a le commerçant. On a échangé l'énergie pour l'abondance. C'est très positif. On a la sorcière blanche. Soyez la lumière. Et enfin, on a le renard, avec l'esprit renard, on vous dit « Ayez confiance en vos talents ». Alors, pour moi, je sens vraiment un lâcher-prise, un besoin de changer votre énergie sur ce mois de novembre et d'aller dans de la lumière, d'être dans l'abondance, parce que pour certains, vous allez réparer quelque chose à l'intérieur de vous et vous allez vous faire confiance. Donc, au niveau professionnel, il pourrait y avoir des débouchés dans le sens où vous allez devoir faire appel à vos talents pour pouvoir justement aboutir à quelque chose. Vous avez peut-être envie, vous travaillez dur, peut-être c'est dans la création aussi, j'entends, ou peut-être vis-à-vis d'un commerce, ou en tout cas quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, et ça vous permettrait éventuellement de d'évoluer au niveau professionnel. En tout cas, professionnel, ça c'est sûr, je l'entends. Ensuite, au niveau sentimental aussi, ça vous apporte la lumière. Donc, vous avez besoin de vous faire confiance et de croire en cette relation pour aller dans cette abondance. Allez, on continue, on regarde votre prédiction. Alors, on a l'échec. Vous avez eu des échecs. Il y a un sentiment de, pour certains, de faire la paix avec vous-même. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez comme un échec. Alors, on va aller voir pourquoi. On a sous le commerçant, on a la communication. Ok, pour moi, il y a des communications qui vont être importantes sur le professionnel en particulier. Il y a vraiment une manière de communiquer qui va être importante sur votre pro. Il y a vraiment cette notion de davantage communiquer où on vous incite à peut-être plus négocier aussi par rapport à un contrat, à des signatures, à des papiers. Peut-être que vous êtes aussi en train de négocier quelque chose, que ce soit professionnel ou dans votre vie perso. Et on vous dit que cette négociation pourrait être à votre avantage. Vous pouvez en tirer une abondance de votre côté. Donc très très positif. Le fait d'être plus dans la communication aussi, c'est une très très bonne chose pour vous. Allez, même dans votre vie personnelle et sentimentale. Allez, on continue les Vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? La fidélité. Alors, je vois que vous allez être rattaché à une personne. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de vous sentir aimé. Il y a ce besoin de se raccorder à une personne, à vous-même. Oh, magnifique! L'apprentissage, l'élévation. Pour moi, là, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné par le passé, ou ça passe par quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou vous êtes dans cet échec en tout début, voire les mois précédents aussi, parce que bien sûr, là, on parle du mois de novembre, mais ça bouge, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment, à l'instant T, hein, bien sûr. Et donc du coup, on vous dit simplement que vous avez cette notion d'avoir eu un échec à un moment donné, que ce soit avant, dans ce début de mois, et c'est cet échec qui vous permet en même temps de faire un rebond dans votre vie personnelle. On voit qu'il y a la richesse, beaucoup beaucoup d'abondance hein, pour vous, vraiment, beaucoup beaucoup d'abondance pour vous les Vierges. Pour moi, il y a un besoin d'être dans l'ouverture d'esprit. Et je sens qu'il y a un besoin de réparer quelque chose à l'intérieur de vous aussi. Oui, je sens vraiment qu'il y a un besoin de réparer quelque chose. Vous avez besoin d'être en paix. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Vierges? On a le choix. Vous voyez? Ça vous a obligé, j'ai l'impression, à vous remettre un peu en question. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte.
Et du coup, ça vous a permis, pour certains, de faire un choix. De faire un choix où vous allez vers ce choix des possibilités de votre destinée ou d'une décision. Pour moi, vous quittez, on vous conseille de quitter ce qui vous empêche d'avancer et qui vous met dans une espèce de mal-être ou qui vous mettez dans ce mal-être. Et là, on voit que vous allez prendre pour moi la bonne décision. La bonne, en tout cas, vous avez besoin de savoir où vous voulez aller. Ça va être très très important sur ce mois. On a l'homme. Alors, l'homme, ça peut parler d'un homme en particulier. Donc, si ça vous parle, si vous êtes une vierge masculine. Mais ça peut être aussi l'homme, tout simplement vous, même si vous êtes une femme. Et, vu que je m'adresse à tout le monde, je ne suis pas en séance privée. Mais ça vous parle tout simplement d'être courageux, de faire preuve d'audace, faire preuve de fermeté aussi dans ce que vous allez faire et d'être sûr de vous. Vous devez vous positionner en mode « je suis sûr de moi » quoi dans la communication. J'ai envie de m'assumer aussi. Je sens que vous avez envie de vous assumer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Changement. Eh oui, vous quittez l'échec, le mal-être, la stagnation, ce qui bloquait, qui avance au fur et à mesure, pour aller vers cette sorcière blanche. Elle est magnifique, il est magnifique. Hein, de toute façon, ce jeu, je vous mettrai en descriptif le nom des jeux, parce que souvent, on me le demande, donc autant que je vous le mette, mais... C'est un très très beau jeu. Il y a vraiment une lumière qui revient au niveau d'un couple, d'une fidélité, une envie de vivre, d'avancer, d'être en raccord avec une personne. Donc c'est très très positif. Sous l'apprentissage. En même temps, là, il y a des planètes. Alors, je ne saurais plus vous dire de tête, mais il y a des planètes en ce moment au-dessus de vos têtes, les vierges, qui sont très très importantes, qui justement vous aident à la communication et à l'avancement. Là, on voit qu'il y a eu des renards, ça c'est clair. On voit qu'il y a eu des trahisons. J'ai l'impression que vous avez peur aussi de vous tromper, vous avez peur. Alors, il peut y avoir des renards autour de vous, il peut y avoir des trahisons autour de vous, les vierges, mais j'ai l'impression que déjà, c'est avec vous-même. Vous ne vous faites pas confiance souvent, les vierges. Vous êtes trop durs avec vous. Et donc, du coup, c'est ce qui fait aussi que peut-être vous vous empêchez aussi. Vous poignardez tout seul quelque part. Parce que pour certains, vous ne faites pas confiance en votre talent, en vos acquis, en votre perception de voir les choses. Après, pour certains, vous êtes malin aussi. Vous vous adaptez pour ne pas... pour éviter... Le coup de poignard. Vous savez que vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui n'est pas bon et donc du coup vous réfléchissez peut-être aussi à la manière dont vous voulez faire changer les choses pour éviter la trahison. La santé. Donc on voit qu'il y a un besoin d'être guéri de quelque chose. Ça peut être votre santé tout court. Après je rentre pas trop dans le truc parce qu'on n'est pas en séance privée, mais voilà, pour pas faire peur, il n'y a pas de trucs qui font peur hein, de toute façon, mais voilà, je préfère faire attention quand même sur la santé, mais ça peut être aussi un besoin aussi de faire des choix pour son bien-être, pour sa santé, pour être en accord avec soi. J'entends aussi qu'il y a un besoin d'écoute, il y a un besoin de communiquer, mais d'écoute aussi, de partager, d'avoir des conseils, d'être pris en main. Il y a vraiment cette notion d'être prise en main, en fait. Allez, on continue. Il y a vraiment un besoin d'être vraiment bien, en fait, avec vous. Vous avez besoin d'apaisement parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse dans un mal-être ou... Qui vous mettez un petit peu à mal, on va dire. Et là, je sens que, ben justement, ça va bouger. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les vierges? Sur votre général de novembre. Alors, oula, j'en ai trop. Alors, on vous disait de tourner la page et on parle des montagnes. Donc on vous dit hein, que c'est compliqué de tourner une page, c'est compliqué de tourner le dos à du passé aussi, ou à la difficulté, mais est-ce que c'est pas la meilleure chose à faire? Peut-être que ça vous invite à ça? Ah, écoute, encore une fois, on vous le dit, écoute. Écoute par la santé, ici, où on voit qu'il écoute attentivement, que la petite fille écoute attentivement, ça peut être par rapport à un enfant. En tout cas, il y a une écoute qui doit être là, qui doit être mise en place pour pouvoir faire un choix. C'est important, visiblement, ce que vous allez entendre.
Alors, on a le puzzle et le grand-père. Alors, j'entends que vous cherchez votre place. Vous allez trouver votre place. Il y a quelqu'un qui fait preuve aussi de maturité, qui doit faire preuve de plus de maturité. Il y a un besoin de conseils avec des personnes plus sages aussi autour de vous. Il y a peut-être une triangulaire entre deux hommes aussi, ou deux personnes. Une personne plus fougueuse, quelqu'un qui est plus vieillotte, on va dire, dans ses habitudes. Il y a peut-être un besoin, peut-être de changer un petit peu l'énergie, d'être plus dans l'action et non pas dans on se laisse aller, on se laisse couler, voyez? Il y a un besoin de retrouver de l'action aussi. Il y a un besoin d'aide aussi par rapport à de la communication. Alors, on vous dit oui et on vous parle de l'embryon. Alors, pour certains, ça peut être des petits babies, forcément, hein, avec la fidélité, cette jolie lumière, l'embryon. Ça pourrait être des naissances, des grossesses. Ça peut être aussi, comment dire? J'entends que pour certains, c'est un redémarrage, un changement dans le couple, une nouvelle personne. Vous avez peut-être envie de tenter quelque chose avec cette personne. Vous avez envie de dire oui. Pour certains, c'est d'officialiser une relation. Vous avez envie de vous marier parce que la sorcière blanche, ça peut être la robe blanche. C'est ce que j'entends. J'entends robe blanche. Donc, pour certains, c'est d'officialiser en fait une relation et de dire oui au mariage, à vivre ensemble, etc. Des choses très très concrètes. À s'engager en fait, clairement. Il y a vraiment une envie de s'engager dans une relation. Alors, peut-être que pour certains, ça ne sera pas jusqu'au mariage, mais en tout cas, il y a une envie de dire oui. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à ce qui vient de lumineux. Et en tout cas, c'est magnifique. Vous voyez, la rencontre. Donc, il y a une rencontre. On écoute, on observe, on cherche sa place. Vous cherchez votre place, vous cherchez à faire au mieux. Et vous avez envie de dire oui à cette nouvelle rencontre. Alors, pour certains, c'est parce qu'il y a une triangulaire. Hein. On a la trahison, donc bon. Il y a peut-être quelque chose où vous êtes en train de basculer sur une nouvelle relation, où vous posez des questions sur cette personne parce que vous pensez qu'il a quelqu'un de nouveau dans sa vie. Si c'est le cas, vous allez avoir un changement qui est inévitable si cette personne vous trahit autour de vous. Après, au niveau pro, on a aussi un besoin de changement, d'une envie d'aller dans quelque chose qui vous correspond davantage, beaucoup plus lumineux. Vous cherchez peut-être votre place. On vous conseille de communiquer, peut-être ça vous est difficile de communiquer, mais c'est en négociant les choses et en disant les choses que vous pouvez accéder à cette énergie d'abondance. À remettre de la lumière, quitte à vous proposer de nouveaux projets, de nouvelles choses, vous voyez? Il y a vraiment cette notion de nouveaux projets, d'avancement, de nouveaux départs dans votre vie, d'une renaissance pour certains. Alors on est sur l'embryon et non pas l'enfant, donc on voit que quand même c'est quelque chose qui prend du temps. Ça grandit, mais ça grandit bien. Ça grandit dans le bon sens pour que tout soit bien en place. Si ça grandit trop vite, ça va pas. Un bébé, il va pas arriver en bonne santé s'il arrive trop vite. Donc il y a un temps, mais qui est nécessaire pour qu'il soit constructif en tous les cas. Ok, allez. Et en dos, on avait le masque. D'où la personne qui doit faire attention là, qui fait preuve de ruse et qui porte un masque peut-être pour faire attention par rapport à cette nouvelle rencontre ou quelqu'un qui cache la nouvelle rencontre. Vous voyez? Au niveau pro, peut-être que c'est des personnes aussi qui vous ont peut-être mis en échec ou qui n'ont pas voulu de votre évolution, qui vous ont un petit peu bloqué. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, les masques vont vraiment tomber. Et du coup, la lumière se refait et on voit que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça vous ramène à la lumière, hein, mais alors vraiment. Donc c'est très joli, les vierges, vraiment. Allez, on va regarder maintenant au niveau pro. Qu'est-ce qu'on voit? Et ensuite, on fera le sentimental. Alors, hop. Au niveau professionnel, on va prendre le petit Béline pour vous, les vierges. Allez, les vierges, pour novembre. La beauté, le cœur, envie de faire de belles choses. Ouh là là, le jeu, il est pressé là. Alors, changement. Voyez encore natalité, hein, pardon. Pour moi, il y a un nouveau départ, hein, un nouveau contrat,
nouvelle opportunité pour vous les vierges. On a de l'appui, quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide à justement avoir une élévation. Peut-être que j'entends aussi tous ceux qui travaillent dans les commerces, dans tout ce qui est beauté, esthétique, coiffure, bien-être, tout ce qui est visuellement beau aussi. J'entends tout ce qui est artistique également. Je vois qu'il y a des contrats, des signatures, une grande élévation pour vous. Et vous allez avoir l'appui pour ça. Magnifique, la grâce. Beaucoup de passion. Pardon, je suis désolée. J'ai encore la voix qui déraille un tout petit peu. Ça va mieux, mais quand même. Alors, pour moi, c'est évident. Vous allez avoir de la nouveauté là sur ce mois de novembre. Pour certains, vous attendez un CDI, un engagement. Donc, pour tous ceux qui cherchent du professionnel, du boulot, il y a vraiment un appui qui va vous aider par rapport à quelque chose qui vous bloquait. Il peut y avoir des propositions. N'hésitez vraiment pas à envoyer vos CV de partout. Parce que il y a vraiment quelque chose qui va finir par venir à vous. Alors, bien sûr, c'est le mois de novembre. Ça peut être sur les mois qui suivent un petit peu. C'est ce que j'entends. On a cette notion, en tous les cas, de sortir d'un déblocage parce qu'il y a une forme de mal-être, quelque chose qui vous retenait un petit peu, d'où une guérison. Pour certains, c'est parce qu'il y a un mal, donc soit un burn-out, quelque chose où on ne se sent plus bien à sa place, mais c'est justement ce qui vous permet de changer cette énergie, en fait, et de vous lancer dans quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Et là, on a vraiment une élévation magnifique au niveau professionnel. Pour certains, ça passe même par de l'apprentissage, ou la lecture, les livres, un besoin de passer par de l'intelligence, de l'apprentissage, etc. Il y a vraiment une élévation qui vient à vous. Et il y a de la nouveauté, c'est évident. Entre la nouvelle et la natalité, ces deux cartes qui nous envoient de la nouveauté, de nouvelles choses, de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités, quelque chose qui vous permet d'être mieux, en fait, et beaucoup plus apaisé et moins bloqué, vous voyez. Donc, c'est très, très bien. On va aller regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, au niveau sentimental. Pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre, sur le sentimental. Ah, ok. Vous laissez quelque chose qui vous a énormément fait du tort, du mal, une croix que vous portiez. Beaucoup de force en vous, hein, par contre, entre l'arbre et l'ours, beaucoup de force pour certains, vous partez. Il y a un lâcher-prise aussi pour certains, on vous demande. On vous demande de couper avec quelque chose qui vous fait du tort, du mal et de la peine pour retrouver justement beaucoup plus de force. Alors, on a la tour, la tour, les souris et le livre. Alors, encore une fois, on est sur quelque chose qui est un peu caché derrière vous quand même, encore une fois, et ce renard qui revient dans votre jeu, décidément. Je sens que pour certains, vous vous sentez un petit peu seul. Un petit peu seul, un petit peu en repli. C'est un petit peu compliqué. Pour certains, il y a un besoin de remonter au niveau de votre énergie, de la lumière en vous, Il y a beaucoup de stress, il y a un besoin de retrouver de la force en vous. Vous êtes sur ce chemin. Vous y êtes. Pour certains, c'est parce que vous devez... Alors, pour certains, vous devez couper avec quelque chose de toxique, une personne nocive. Quelqu'un qui vous ment ou qui vous cache certaines choses, qui vous rend triste et du coup, vous vous sentez seul. Pour moi, vous allez prendre du recul et pour certains, vous allez carrément partir, quitter. Quitter la personne qui vous fait du mal, vous changez l'énergie, vous guérissez parce que vous voulez aller dans la lumière. Vous ne voulez plus d'une personne qui vous tire vers le bas. Pour une autre personne, il y a un besoin de dire, il y a peut-être pour les couples une peine, un repli. Pour certains, ça peut être même un deuil que vous traversez qui est difficile. Mais vous êtes entouré et vous allez avoir la force nécessaire pour pouvoir justement avancer. Il y a aussi pour certains des procédures, si vous êtes en divorce, j'essaie de m'adapter à tous les cas, mais il y a peut-être aussi un divorce qui va être prononcé ou qui est prononcé. Ça vous parle de faire attention à quelqu'un de sournois qui vous cacherait certaines choses. Et on vous dit de ne
pas tout dire, j'entends cette phrase, parce que cette personne a du mal ou à passer de l'autre côté, enfin, à accepter ce départ, ou en tout cas bloque un petit peu. Donc du coup, sa peine pourrait venir essayer de vous entraver en fait. Ça peut être vous aussi qui faites ça, hein, c'est peut-être vous aussi qui entravez par rapport à l'autre. Parce que votre peine est grande et que du coup c'est compliqué de passer à autre chose pour certains. En tout cas, le fait de traiter l'information de la tristesse, de la solitude, etc., ça vous donne aussi cette chance de retrouver de la lumière, de pouvoir avoir une nouvelle relation beaucoup plus belle, parce qu'il y a aussi beaucoup de force dans une autre relation pour toutes les triangulaires. Il y a une grande force. Là, vous passez par une phase ou peut-être vous êtes en train de vous séparer, ou vous voulez vous séparer pour aller vers cette personne. C'est un moment pas agréable, mais en tous les cas, c'est un moment qui vous emmènerait énormément au lâcher prise et vers cette personne. Mais voilà, le renard veille pas loin, quoi. Quoi qu'il en soit, soyez... pour moi, vous faites preuve de prudence, en fait, aussi. Hein. Donc voilà, pour vous, les Vierges, pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas également, si vous aimez mon travail, mes vidéos et vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo en l'air, hein, bien sûr. Vous pouvez vous abonner et activer même la cloche de notification pour savoir dès que je poste quelque chose, vous serez averti. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, je pourrai avec plaisir vous guider. Donc si vous en ressentez le besoin, en tout cas, ce sera avec plaisir de mon côté. Sur ce, les Vierges, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye !